y a peu de choses qu'un enfant puisse désirer en 1922. À moins, bien sûr, que ce soit une locomotive. C'est une réplique exacte d'une vraie locomotive. Elle a même une cloche et une lanterne. C'est la meilleure locomotive du monde. Le commerçant dit qu'il l'a amenée de très loin. Mais aujourd'hui, Miguel n'est venu que pour des oranges. Il s'appelle Felipe, et comme la locomotive, il est aussi venu de loin en apportant quelque chose d'une très grande valeur. Ce sont les parents de Miguel. Rosé répare des chaises, des tables, des lits ou n'importe quoi d'autre, tandis que Martin nourrit les poules et fait des conserves. Mais aujourd'hui, ils ont arrêté leur activité pour écourter le missionnaire qui est venu visiter leur maison. Aujourd'hui, j'ai un cadeau pour vous. Un trésor d'une valeur inestimable. Quelle déception ! Ce n'est pas une locomotive. Si seulement c'était une locomotive. Et si le trésor était à l'intérieur du livre? Naturellement, personne ne laisserait quelque chose d'aussi chaleureux à l'air libre. Miguel ! Qu'il y avait un grand trésor. Et je voulais le trouver. Il y a beaucoup d'histoires dans ce livre. Mais l'une d'entre elles cache un trésor de valeur inestimable. Comme un millier de locomotives ? Et bien plus encore. Tu sais, il y avait un homme nommé Jésus qui un jour est venu sur terre pour mourir pour mes péchés et pour tes péchés, pour mourir pour les gens qui le méprisent. Ce jour-là, Miguel reçut un trésor d'une valeur inestimable. Avec le temps, la Bible passa entre les mains de Miguel, qui la partagea à son tour avec ses enfants et petits-enfants. Qui devinrent pasteurs, enseignants et missionnaires, voyageant avec des mallettes chargées du plus grand trésor pour l'apporter à de nombreuses autres familles. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida. ¿Cómo fueron tus historias campesinas? ¿Cómo fue tu hogar en Palestina? Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el
que sabe que da vida. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré.